Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la ferme montagne. Et aujourd'hui, cette opération pressage, presse New Holland, balle carrée, classe action 950. On fait ça avec du lourd. Allez, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On continue donc cette série qui franchement me plaît bien. Parce que franchement la carte, c'est une carte tout simplement que j'adore, GameSting. C'est vraiment une super carte. Donc on va... qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, déplier tout simplement. Ouais, je me disais, on est sur le champ, on y va. Et on active. Donc voilà, c'est une série moi qui me plaît super bien. Voilà, qui me plaît super, c'est très français. On avance tranquillement. On va faire... on a fait un petit peu de paille en vrac. On va presser le reste du champ numéro 17. Voilà. J'ai acheté les champs numéro... J'ai acheté les champs numéro 4 pour la faire de l'herbe, enfin du foin entre guillemets. J'ai acheté également le champ numéro 8 et le champ numéro 9 qui est à côté de la ferme. Ça sera bien pratique, comme ça on peut stocker un petit peu de matériel là-bas, même si à la ferme on ne peut pas y aller avec du gros matériel, comme vous avez pu le constater dans l'épisode précédent. C'est vraiment plus que étroit pour aller jusqu'à la ferme. Bref, c'est pas très grave. On se débrouillera, comme on dit. On trouve toujours une solution à... problème. Allez, on est en train de presser aujourd'hui de la paille. Je fais assez rarement le pressage finalement, et surtout on va, si ça dépend du temps que met le pressage de cette paille, on essaiera d'aller faire un petit peu de foin. Donc en tous les cas, commencer à faucher et puis affaner le foin, tout simplement affaner l'herbe pour la transformer en foin. Alors là, j'ai mes machines que j'ai stationnées là, mais qui sont pas des mieux stationnées. On va passer à côté, on va pas perdre de temps à les déplacer, c'est pas très grave. Un coup de déchaumeur ou un coup de charrue, on verra ce qu'on fait, ce qu'on passe, tout simplement. Et ça sera très bien, on n'est pas à un petit bout de paille près, je vais dire. Alors ces petits poteaux blancs, ils prennent quand même cher dans toutes les vidéos que je regarde, en général. Ça vole. Alors autant dans les vidéos des autres youtubeurs que dans les vidéos de Farming Savoyard. Donc j'espère que Rutabaga aura apprécié le relevage de mon défi, entre guillemets, si on peut appeler ça un défi en tout cas. Aura apprécié mon accent québécois, du sud particulièrement, hein, entre guillemets, voilà. J'espère que vous aurez apprécié vous aussi. Voilà, j'essaye. N'hésitez pas à me lancer entre guillemets des défis ou des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Si je peux les relever, je les relèverai. Bien ou mal en tout cas, mais en tout cas je les relèverai. Hein. Voilà, je suis assez homme de défi. Je suis de toute façon homme de parole. Donc si je dis je fais, hein, vous auriez peut-être pu le constater. En tout cas, au niveau de la chaîne, ce que je dis, je le fais. Donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas dans vos commentaires à me lancer un petit défi. C'est sans problème. Je le note dans un coin de ma tête et puis j'essaye de le relever tout simplement. Allez, tranquillement, on presse. Là, ça a été moissonné merdique. C'est difficile d'aller le retrouver. Prendre toute cette paille là, quand c'est tout droit, c'est très très simple. Quand c'est tout biscornu, c'est pas terrible. Vous avez vu, j'ai le mode ball counter qui me permet de compter le nombre de balles que j'ai fait. Donc 6 pour le moment, donc ça c'est pareil, ça c'est très pratique. Par contre, j'avais enlevé, me semble-t-il, j'ai pas fait attention, mais le threshing counter, donc la quantité de grains ramassés sur les moissonneuses, me semble-t-il, j'ai pas fait attention quand j'ai moissonné dans la dernière vidéo, mais il n'apparaît plus en bas de l'écran. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, on presse plein tube, 25 à l'heure. En montagne, il faut faire vite l'été pour faire les foins. Parce que les créneaux sont pas très 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 longs, on va dire. Entre le mauvais temps, la saison qui est pas très longue, voilà, il faut vite faucher, faner, endainer, presser. Bon, là c'est de la paille, on est d'accord. Hein. Mais on va faire après le foin. Et pour faire notre foin, on aura un petit créneau, tout simplement. Voilà. Dans une optique un petit peu de roleplay. Alors, c'est vrai qu'en plus, cette carte, franchement, ça ressemble pas mal à chez moi. Hein, pas mal de sapins. Après, les montagnes sont peut-être pas assez abruptes et pas assez hautes. Hein, mais en tout cas, ça ressemble un peu à la montagne des Alpes, de Savoie en l'occurrence, pour ma part, et la Maurienne plus précisément. Allez, on continue tranquillement. Voilà, donc on va voir au niveau de GTA V. C'est pareil, je vais vous faire une vidéo, je vais vous montrer ça.
Vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse quelques vidéos, si ça vous intéresse que je fasse un petit let's play, que je vous montre de temps en temps du GTA 5 online ou le mode carrière. Vous me direz, vous me laissez vos commentaires si ça peut vous intéresser ou pas. Je vais pouvoir faire des vidéos qui sur le principe ne vous intéressent pas, sinon je fais, de toute façon je vais jouer pour moi, ça c'est sûr. Maintenant si vous voulez que je vous montre, bah, y a pas de souci, je filme, hein. Non, mais simplement on frappe ça en route et puis je vous montre tout ça, un peu de GTA 5, mais franchement le jeu est vraiment magnifique, magnifique. Et même si les graphismes pour moi sont pas poussés au maximum, hein, de fait de ma config, hein, qui est quand même pas non plus la config de l'année, c'est un PC portable en plus, et ben franchement c'est un jeu magnifique que je recommande. Alors effectivement simplement le temps d'installation, 7 DVD, plus la mise à jour, et ben écoutez ça prend juste, en tout cas pour ma part ça a pris juste 3h30 voire 4h de temps, hein, à peu près. Hein. C'est en gros ça me semble-t-il de vague mémoire. Mais maintenant qu'il est installé, et ben écoutez ça fonctionne à merveille. Donc tip top. Allez, on va essayer de prendre là. On a pas pris tout le début mais c'est pas trop grave. Ah dans la montée, il en chie un peu mon gros quand même. Hein. Il est pas aussi habile que dans la descente. Et c'est ça qui est bien sur cette carte, c'est que les champs sont un petit peu vallonnés, enfin il y a un peu de relief quoi, c'est pas du tout plat. Comme on a l'habitude d'avoir sur les cartes d'origine. Bon même si maintenant les cartes modées sont quand même avec pas mal de relief puisque les modeurs ont compris que ça plaisait aux gens le relief, donc résultat des courses, ben on trouve encore aujourd'hui rarement des cartes toutes plates, hein, avec des champs relativement plats, relativement droits. Les champs tout carrés, c'est pareil, c'est quand même pas très intéressant. Alors pour les ouvriers, si, ça l'est, puisque ces braves ouvriers sont incapables de toute façon de travailler. Mais d'ailleurs, il faudrait que j'aille voir, puisque j'ai pas... Après la vidéo précédente, j'avais pas fini de semer mon champ, le champ où était, d'avoir le champ... D'ailleurs, je sais plus où il est, puisque a priori, il a dû se planter. Avec mon Bednar Procide et mon 936 Black Beauty, bébé 936... Voilà qu'on voit. Donc 14 balles, et bah écoutez, on a presque un arcusin complet. Après, je crois que c'est 16. Donc 15, ouais, on en aura un complet, en tout cas, ça va être pas mal. On en aura même un petit peu plus, je pense, de toute façon. Allez, on va terminer ce qui traîne par là. Hop. C'est un spécial autour des balles. Enfin, les bottes de paille, on va dire, parce qu'il y a les balles rondes et les bottes carrées. Voilà, la 16e est là. Donc on aura 16-17, hein. Il reste un peu là-bas mais on va pas s'emmerder. On va juste prendre ça pour dire d'avoir pris ça. Et je pense que ça va nous faire la 7-10. Allez, tourne. Oh, la 17e. Ah, excusez-moi, je n'ai pas relevé mon pick-up pour les puristes. Ah, écoutez, ce qu'on va faire, on va quand même aller récupérer un petit peu ce qui traîne là. Ça me plaît pas bien. En tout cas, récupérer le plus gros. Voilà, allez, hop. Me semble-t-il, c'est haut pour pousser. Ouais, impeccable. Alors, on va faire comme ça. On va laisser, on va ramener ça tout simplement au concessionnaire qui est juste à côté. On va récupérer. Hop, on peut régler, enfin fermer du moins. On va se récupérer les faucheuses que je n'avais pas achetées. J'ai déjà la faneuse, j'ai a priori l'endaineur. Ouf, c'est passé juste. Alors on va laisser ça ici pour le moment. Normalement on doit, toc, on va prendre les faucheuses que voici. Avant, arrière, ok, impeccable. Et on va aller se faucher le champ qui est juste à côté de la ferme que je venais d'acheter. Oh, voyons, faut être dessus maintenant. Hein. Ah, faut être parfaitement dessus, je veux dire. Et là, pas de chance, je l'accroche un petit peu. Et là, je pense que ça va pas prendre. Allez, on y arrive. Direction la ferme. Fond les ballons. Attention avec ta Golf bleue, jolie couleur. J'aurais pris comme toi, en bleu. Alors celui-ci par contre là, 950 à l'intérieur au top. Toujours au top ce tracteur. Pour l'instant franchement, même si je suis John Deere, vous avez vu, hein,
Et c'est vrai que là, en ce moment, je joue un petit peu avec autre chose, parce que c'est vrai que c'est bien quand même de voir un petit peu autre chose que John Deere. Et là, c'est vrai que ce Class Action 950, alors il y en a, existe des versions et des versions, hein. Bon, après, il n'y a pas une grande différence entre chaque. En tout cas, pardon, celui-ci s'allie, je sais. Pas normalement, parce que ça doit être censé être le même qu'on a sur la partie multi, et sur la partie multi, il se salit magnifiquement, le tracteur, franchement, il est... Donc il y a un petit champ numéro 4, juste à côté de la ferme, c'est impeccable. Alors, on va faire comme ça, on va... Hop, vite, 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 je pensais qu'on allait attaquer devant, mais non. On va activer, c'est ok. On va baisser. On va activer. Et ok. Allez, on va essayer de faucher par ici. Oh, l'herbe, par contre, franchement, regardez. La texture de l'herbe, elle est absolument magnifique. On dirait vraiment de la vraie herbe. Je sais pas, laissez-moi vos impressions, vos commentaires. Ce qui est bien, c'est que quand on touche les petits piquets sur les côtés, eh ben, on n'est pas trop emmerdé. Ça passe un peu à travers. Et ça, faut le dire, ça nous arrange quand même. Parce que quand ça racle et quand ça coince partout, c'est un petit peu pas évident. Donc le champ est pas trop grand, ça va m'arranger, on va le faucher, on va le faner. Il est même pas très grand du tout. Mais c'est parfait. C'est pour l'objet de la vidéo, voilà. Hop, on va même faucher ce qu'il y a à l'extérieur. Par contre, je suis pas sûr que là, on touche pas. Ouais, là si, par contre on touche pas. Il faut pas déconner, les glissières de sécurité, on ne rigole pas avec les glissières de sécurité. Allez, on y retourne, tranquillou. Texture de l'herbe coupée, en tout cas, elle est bien verte. C'est réaliste. Donc là, il faudrait relever les faucheuses, on est d'accord, mais c'est vrai que relever les deux faucheuses, etc., ça prend vite du temps. Donc on va faire simple, nous, on va pas les relever. Et vous m'en excuserez, chers abonnés. Et puis chers viewers, parce que tous ceux qui regardent peut-être mes vidéos ne sont pas forcément abonnés. Voilà, je vous invite en tout cas à le faire, c'est gratuit. Vous regardez, vous vous abonnez, si ça vous plaît, vous restez abonné, si ça vous plaît pas, bien, écoutez, vous cliquez sur le bouton se désabonner. Hein, ça m'arrive, moi, je regarde une vidéo qui a l'air sympa d'un youtubeur, je m'abonne sur le principe, comme ça au moins je retrouve les youtubeurs tranquillement, facilement. Sur la page de ma propre chaîne, et puis bah après voilà, je regarde, et puis si effectivement ça ne me plaît pas ou si ça ne me plaît plus, parce que c'est vrai qu'après il y a des choses qui finalement voilà, ça évolue dans le sens qu'on ne souhaiterait pas, et bah écoutez, on se désabonne, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, allez, et bah écoutez, on est pas mal, je vais dire, hop, on va relever, désactiver, replier. On va rapatrier tout ça jusqu'à la ferme. Hop, laisse-moi passer. Merci. Oh, j'ai dit que tu me laissais passer. Merci. Alors, c'est le pays de la Golf, hein, GameSting. Je ne sais pas si on est en Allemagne, mais alors là, Volkswagen est roi. Du X5, beaucoup. Et puis de la Golf, hein, comme vous pouvez le constater. Allez, on va aller récupérer le petit Fen 414 TMS avec la faneuse. On va quand même pas faner avec un 950. Oups là. Faut pas déconner, c'est quand même pas prévu pour. J'ai rangé mon autochargeuse de paille en attendant, vous voyez là-bas sur la gauche, d'avoir mes bêtes, donc les vaches en l'occurrence. Me semble-t-il, il n'y a que vaches, enfin les animaux d'origine sur cette carte-là, il n'y a pas les veaux et les cochons encore à vérifier, si je dis pas une bêtise. Ou à la limite, regardez, ouais si, on va prendre l'autre quand même. Oula, ouais, je sais que... Prendre ce petit coquin là, glisse. Allez, stationner la benne ici. La faneuse doit être normalement derrière. Bon, l'extérieur il est plutôt bien modé, hein. Oh, rien d'extraordinaire, mais plutôt sympa. C'est vrai que c'est les tracteurs qu'on a moins l'habitude de voir, donc c'est pour ça que je prends un petit peu. Et puis voilà, comme ça, ça fait un petit peu de changement. On pourrait stocker pas mal de matériel ici, mais après c'est vrai que c'est pour y venir, hein. La route est vraiment pas large, donc c'est vraiment pas pratique. Mais on fera, je vous assure, on fera. Allez, petit faneur, tranquillement. Alors lui, c'est vrai qu'il est quand même chiant, là. Faut quand même que je le rip, parce que franchement, il me fait chier. Je tailleur, voilà, avançant.
La dernière fois, je crois que dans la vidéo, je n'arrivais pas à retrouver le nom de ce tracteur. Et comme on a de la chance, on arrive à l'intérieur des hangars. Hop, allez, tranquille. On se signale, petit warning, gyrophare. Et on y va. Voilà, tracteur tout à fait adapté à ce genre d'activité. Tracteur adapté à la taille du faneur, je pense. Peut-on rentrer par une autre... je ne sais pas si on peut rentrer par là, mais c'est pas grave. On va rentrer par l'entrée principale, en tout cas celle qu'on utilisait jusqu'à maintenant. On va faner tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne, tout simplement. On va voir ce que donne la texture de l'herbe fanée sur cette carte GameStick V2 by Stéphane LS. Franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que là, il a quand même une superbe map. Et notre ami à la Golf Bleu est toujours là. Alors, si tu t'emmerdes et que tu n'as rien à faire, moi j'ai du boulot pour toi si tu souhaites. Voilà. Tu viens à la ferme, je te donne du boulot, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop, on peut baisser. Voilà. On l'active et on regarde. Ouais, donc ça change bien la couleur, c'est pas mal, la texture est pas trop mal, je vais dire. Ça a l'air plutôt bien jusqu'ici. On verra une fois en déné si c'est visible, parce que certaines maps, c'est vrai que c'est quand même difficilement visible. Je pense à la ferme Limousine, une fois en déné, c'est vrai que c'est quand même pas évident. Enfin, en tout cas, de l'herbe non fanée. Maintenant, l'herbe fanée, je sais pas. Mais là, a priori, ça a l'air d'être plus que bien. Hein. Pas de soucis. Le tracteur fonctionne à merveille pour cette petite activité. On est tip top, je vais dire. Regardez ça, c'est pas mal avec la ferme là-bas. Franchement, la ferme est magnifique. Elle est nichée au cœur des rochers là-bas derrière. Quand on regarde comme ça, franchement, c'est. Je vais dire, c'est superbe. Allez, on y retourne. Je me faisais plaisir, un petit screenshot. Ah, ça servira ou ça servira pas. Mais franchement. Ça a de la gueule, comme on dit. Allez, on fan. Donc il faut que je vous fasse un petit peu de TS2, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, en attendant d'avoir American Truck Simulator. On fait du Euro Truck Simulator 2. American Truck Simulator, c'est vraiment un jeu que j'attends avec impatience. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas. C'est vrai que ça c'est le jeu que j'attends, alors à sortir, repousser. Là j'ai pas les dates finalement exactes des dernières dates de sortie. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, ce sera sympa. Comme ça je sais à quoi m'en tenir. Allez, encore un passage et à mon avis on sera pas trop mal. Franchement ça s'y croirait. Hein. Je vous dis, au volant de mon PC là, c'est tellement joli, c'est tellement fluide. Ah, je sais pas si cette nouvelle config entre guillemets, puisque voilà je fais évoluer ma config, hein. Bon, on peut pas faire évoluer grand chose sur un PC portable, mais en tout cas là le fait de rajouter ces 4 Go de RAM donc qui porte à 8 Go de RAM, ah, le jeu est d'une fluidité franchement. Donc, on verra l'usage, mais là c'est vraiment exceptionnel. Je prends mon pied comme on dit. Simplement et poliment. On va dire autrement. En tout cas, là, on essaie d'être un minimum correct sur la chaîne. Voilà. Alors, je ne fais pas l'apologie de la politesse, etc. Hein. Des gros mots, j'en dis. Des grossièretés, j'en dis, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vrai que pour les plus jeunes, bon, il faut éviter. Voilà. On va pas aller plus loin. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Si on peut éviter, on évite. Oh, freine. Ouais, j'ai freiné. Ça fait un moment que je freine, hein, sincèrement, je vous le dis. Allez, là, on était bien. Alors, là, on était bon. Le résultat des courses, mon Michel, bah, il a pas bien bossé plus que ça en attendant. Allez, encore un petit poteau blanc qui en a plus pour son grade. Voilà, bah, il a pas bien bossé, mais il a quasiment fini. Donc, c'est quand même, je vais dire, le principal. On va terminer, il reste un ou deux passages.
et on sera bien pour le champ numéro 13, semer en blé tranquillement. Ça donne du travail pour les futures vidéos, tout simplement. Voilà, parce que ce qu'on cherche, nous, c'est à se donner du boulot. Voilà. Oh, la Audi. Oh, la Audi. Et puis en plus, il me pousse. Ah, bah, carrément. Voilà, petite Audi RS4 ou S4. Allez. Ah, c'est dommage, 7 mètres. Je pense qu'on en a mangé tout le long, ce qui fait qu'on aurait pu finir en une fois, mais bon, c'est pas très grave. Comme ça, je vais lui faire le tour tranquillou, détourage tranquille, faire le fond arrière. Pas détourage, faire le fond arrière, ça serait peut-être plus logique. Et on va pas s'emmerder à faire de manœuvre, on va y attaquer direct. Ah, par contre, ce que je constate, c'est que vous avez mis le temps un petit peu en avance et ça a commencé à pousser. Bon, écoutez, c'est pas très grave. On va remettre un coup par-dessus, ça poussera par la suite. Ah, ça c'est ballot. Autant pour moi, petite erreur. Là en montagne, ça pousse tellement vite. Mais non, là c'est complètement de ma faute. Je vais avancer le temps un peu pour avoir une meilleure lumière, parce que le matin il n'y a pas une grosse lumière. C'est vrai que pour faire les screens, etc., c'est un peu plus joli de le faire avec une belle lumière. Et là on arrive en fin de journée et j'ai pas fait gaffe. Bon, moi excuse de l'étonner, il y a des petites serres là-bas en dessous. Là, je pense que c'est où on a. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans le trou. Ah, on ne va pas semer, ça je suis sûr. Parce qu'il y a quand même du relief là dans le coin. Là c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, je pense que c'est où on a chargé nos graines et voilà, petite serre et tout, sympathique. Voilà, comme ça on a fait les fourrières. Est-ce que je passe à travers l'arbre? Peut-être, que je vais frôler. On ne saura pas exactement si je passais ou si je ne passais pas. Voilà, comme ça la petite partie semis. Ah, franchement, je n'utilisais pas souvent ce tracteur-là, mais en temps normal, il déchire. Quoi. Ça a de la gueule. Hop! Allez! On retourne direction au moins la concession. Je sais que là-bas c'est pas mal. Normalement la concession, ouais, c'est juste à voir. Non, c'est assez. Là on a l'air d'avoir un bon prêt. Le numéro 15. Peut-être le numéro 15, c'est peut-être celui-ci. Peut-être le 14 qui doit être un petit prêt. Oh. Bah d'ailleurs écoutez, on va faire. On va le ramener déjà directement au champ qu'on avait acheté, enfin que j'avais acheté, les 8 et les 9. On verra si on le fait avec ce semoir là. J'ai un semoir de 18 mètres. Je vais peut-être l'essayer avec vous pour voir ce que ça donne. Une petite scierie là, à mon avis, sur la droite. Mais je pense pas qu'on puisse y faire grand chose. Il n'y a pas d'interaction. Pas de petite icône. Là, on est pour stocker du matériel. Bon, c'est un peu loin de la ferme. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est du matériel planté là comme ça. Au jour d'aujourd'hui, avec les voleurs qui traînent de partout, franchement, je ne serais pas du matériel comme ça n'importe où. T'as souvent des agriculteurs qui se plaignent, des vols de tracteurs qui partent en Roumanie, Bulgarie, etc. Les mecs qui viennent avec les camions, ils cherchent tout ça sur les camions et puis loin. Voilà. Allez. Eh ben écoutez, on est pas mal, je vais dire. On a fait. Oh le temps, il est chiant, il glisse. Et finalement, au bout d'un moment, ça va ressembler à. Non, je vais pas arriver à. Ça va ressembler à rien. On va le mettre dedans. Et puis il sera que pourra. Voilà. Allez, tu restes là. Le petit tailleur est là. Ça, on pourra la replier. Et ce qu'on va faire, on va même la ramener à la concession. Avec un peu de chance, il n'y a pas trop de bagnole. Donc ça devrait passer. Puisque de toute façon. Oulala. Alors, je pense que c'est l'arbre là qui nous a fait une. Nous a fait mettre une reculée, comme on dit. Ouais, ça prend toute la route. Hein. Alors ce qu'on fait, eh ben, gyrophare warning. Alors, c'est le niveau du son. Hein, ça pourrait être un petit peu plus violent, je vais dire. Parce que là, franchement, c'est pas très violent. Hop, on va faire pareil avec la Vector. Donc plutôt pas mal, plutôt sympa. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez également dans cette nouvelle vidéo.
qu'elle a servi dans les vidéos précédentes. Mais franchement, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va passer tout juste, voir, on va pas passer. Là, ça va faire pareil. Ouh, impeccable, on slide sur les capots et les toits des bagnoles. Mais pas de soucis, c'est pas un problème. Voilà, impeccable. Allez, eh bien écoutez chers amis, c'est sur cette petite image de la Vector 410 qu'on se laisse pour ce nouvel épisode La Ferme Montagne sur GameSting V2. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, le pouce bleu si ça vous a plu, et puis le petit abonnement comme d'habitude pour la suite de mes aventures. À très bientôt, ciao, bye bye.